Coucou tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Alors ça va être des essayages vêtements Chine. J'ai refait une petite commande pour le printemps-été, et du coup je vais vous montrer ça en vidéo. Voilà, pour celles qui sont rondes comme moi, si ça peut leur donner des petites idées, j'en serai très contente. Et moi j'aime bien du coup faire ce genre de petites vidéos. Donc je vais faire pause à chaque fois et je vais faire mes essayages et je vais vous montrer ça à tout de suite. Voilà pour le premier essayage. Donc j'ai pris ce petit haut, très sympa, avec des petits messages. Il est dans les tons gris et les couleurs pastel. Il est super léger, hyper agréable. J'ai pris ce pantalon, donc je vais m'éloigner pour que vous puissiez essayer de le voir. Ça va être compliqué. Donc voilà, c'est un pantalon super fluide, long. Bon, c'est difficile du coup de vous montrer. Je vous montrerai sinon de pied dans le miroir. Donc il a fallu par contre que je le retourne parce que moi je suis petite et du coup il est quand même long, mais il est super attendez, je vais vous montrer comme ça. Il est super large, super fluide, j'aime beaucoup. Voilà pour l'été, c'est très très sympa. Je sais pas si vous voyez du coup dans le retour miroir. Non, avec mon gros cucu ça le fait pas. Enfin voilà, il est comme ça, très très fluide. Il est super, super agréable. Moi je l'ai retourné, moi j'ai l'habitude de retourner de toute façon mes pantalons. Parce qu'en fin de compte, j'ai beaucoup d'estomac. Depuis que je suis rentrée en ménopause, pré-ménopause, ménopause, j'ai pris énormément d'estomac. J'ai l'impression que je suis enceinte. Mais par contre, je n'ai pas de ventre. Voilà, j'ai de l'estomac. Mais j'ai pas de ventre. Voilà. Je m'étais fait opérer il y a longtemps et là le ventre il est pas revenu quoi. C'est l'estomac qui a pris. La poitrine, les bras, enfin bon, un peu tout quoi. Ah super, je suis hyper contente. C'est superbe. J'ai pris aussi des petites claques. Alors j'en prendrai ailleurs parce que bon, j'ai pas trop l'habitude de ces matières-là. Mais donc je les ai pris en 38. Je vais les essayer. Voir si elles sont bien petites. Charlie, arrête. Il y a Charlie qui est dans mes pattes. Alors, voyons voir. Parce que comme il commence à faire beau, est-ce que je vais rentrer mon pied dedans? Charlie, s'il te plaît, je peux même pas voir mon pied. Ah, mais c'est pas possible. Ouais, nickel. Faut juste qu'elle se fasse un peu. Vous voyez, elles sont. Charlie, mon Dieu! Elles sont comme ça. Voilà, une espèce de. Charlie! Difficile de faire quelque chose avec toi. Hein? Voilà. Il y a un pied. Il y a toujours un pied qu'on monte. Mais j'aime bien. Ça fait joli avec l'ensemble. Claquettes, tout. Très sympa. J'aime beaucoup. Donc ça reste. J'adhère. Voilà, ça sera dans les vêtements pour sortir. C'est très bien, très sympa. C'est large, c'est fluide, c'est agréable. Charlie, arrête! Il veut manger les nœuds des chaussures. Arrête! Et j'ai une autre paire de petites claques que j'ai pris comme ça. Donc on va voir aussi. Donc celles-là, elles sont comme ça. C'est une espèce de mousse. Bon, j'ai pas trop l'habitude de porter ce genre. Mais bon, je vais voir. Je vais les essayer aussi. Voilà, c'est du 38 et je vous montrerai. Là, le 38 avec les petits nœuds, ça me va nickel. Franchement, top, 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 top. Il ne reste plus qu'à aller faire mes pieds chez la podologue. Et ça sera nickel chrome. Bon, voilà. Donc, pour ce qui est de ça, je refais pause et je vous fais un autre. Oh, je vais vous montrer déjà. Bon. Les essayages que je vais vous faire. Alors, qu'est-ce qu'on va essayer? C'est le pantalon. Alors, j'ai reçu
Alors c'est pareil, comme la dernière fois, j'en ai vraiment pas eu pour très très cher. Alors oui, c'est Chine, il y a eu des polémiques et tout, mais franchement, de toute façon, ce genre de polémique, il y en aura partout. Et pour pas mal de boutiques hein, qui font fabriquer en Chine. Donc voilà pour ce haut. Arrête Charlie! Pascal, tu peux appeler Charlie? Voilà, comme ça. Donc je vais vous le montrer porter. Hop, on va faire pause. Voilà. Polo t-shirt. J'adore. Trop, trop joli. Va bien avec le petit pantalon. Nickel, avec la petite tête de bonne femme. C'est des tailles. Attendez, je vais vous dire pour l'autre. C'était une taille quoi? Il me semble que c'est une taille 50. 4XL. Il me semble que ça doit être du 52. 50 ou 52. Vous allez voir sur Shein 4XL à quoi ça correspond, 50 ou 52. Mais franchement, ça colle pas. C'est top. C'est léger. Parce que moi, j'ai tout le temps chaud. Hein, forcément, je suis costaud. Donc, j'ai vite chaud. Ben, j'adore. Ça va bien avec le petit pantalon à fleurs aussi. Très joli. Alors, là, on va sortir quoi? Un autre pantalon. On va essayer. Mince. Hop. On va essayer. On va ramasser ça sinon Charlie va les manger. Donc j'ai pris. Oh là 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 là. Donc j'ai pris ça. C'est super large, mais c'est pas taille élastique. Et moi j'ai une petite taille. Et je vais pas pouvoir le retourner parce que c'est pas élastiqué. Parce qu'en fait, moi je retourne. Ah mince. C'est super joli. Vous voyez, super ample. Mais à la taille. Bon, on va essayer. Mais à mon avis, ça va être trop grand. Bon, je vous reprends dans. En fin de compte, à la taille. Bon, vous voyez, il est monté jusque-là. Ma taille, elle est là. Je suis obligée de le monter jusque-là. Bon, il est fermé. Ça tient. Mais par contre, oui, je suis petite. Alors, ça fait joli, franchement. Mais là, il faudrait que je trouve des petites chaussures avec un peu de talon. Mais je vais le garder parce que j'aime bien. Il me faut juste des petites chaussures avec un peu de talon. Même si ça traîne un peu, je m'en fous. Voilà. C'est super loose. C'est voilà. En fin de compte, il est là, mais il me tient. Descends pas. Non, j'aime bien avec les fleurs. Voilà, je vous montre comme ça. Vous voyez, il est super ample. Comme ça. Voilà, au niveau des fesses. Comme ça. Non, franchement, vous voyez du coup là dans le miroir. Comme ça vous permet de voir. Alors, oui, moi je suis toute petite. Donc je fais 1m57. Mais bon, je vais me trouver des petites chaussures avec un peu de talon et ça devrait le faire. Je vais essayer les autres petites claques que j'ai pas essayées là. Alors, voyons voir. Alors moi j'adore les chaussures avec les entre-doigts. Hein. Ça me fait pas mal aux pieds, j'ai l'habitude. Ouais, elles sont trop petites. Il m'aurait fallu, je fais du 38, là, il aurait fallu un 39, voire un 40. Limite, ça va aller à ma fille, quoi. Moi, je les montrerai à Coco. Voir si ça lui va, Colline, elle les prendra. Parce que du coup, moi, c'est trop petit. Les blanches avec les gros nœuds, c'est bon. Nickel. Mais celle-là, c'est trop petite. Je fais du 38. Je pense qu'il me faut un 40. Donc voilà. Ensuite, alors il y a ça, mais je l'ai retiré et je me suis dit, waouh, j'aime pas trop. Comme ça. Un pantalon, c'est resserré en bas. Bon, je vais essayer parce que des fois, on se dit, ah non, ça ne va pas le faire. Et puis bon, je vais essayer, mais ça ne me branche pas les masses. Voilà. Sinon, je renverrai. Voilà, une petite pause. Alors, on revient le mouton. Donc, j'ai essayé le pantalon noir.
je vais pas vous montrer ma poitrine demain. Il se monte jusque là. Il a une petite ceinture qu'on peut mettre. Bon, je suis pas certaine de la mettre. Mais en fin de compte, ça fait pas mal. Ça fait pas moche. Vous voyez, comme ça. Je sais pas comment je pourrais vous montrer. Hop. Non, là, vous ne voyez plus. Du coup, le retour du miroir. Voilà, enfin, voilà, pour le pantalon noir. Non, il est pas mal. Je pense que ça peut faire pas mal. Voilà, ou soit un petit pantalon. Si je ne mets pas pour sortir, un petit pantalon pour traîner à la maison. C'est pas mal. Voilà. Donc, ça, je garde. Je garde aussi. Alors, bon, je suis soufflée. Forcément, j'essaie. Je suis soufflée. Et encore, hein. On n'est pas en cabine d'essayage. Hein. Alors, là, j'ai pris. Alors. Je vais regarder s'il n'y a pas de papier. Parce que Charlie, après, les prend et les mange. J'ai pris ce petit t-shirt blanc. Tout simple. Avec un petit cœur noir. Voilà, comme ça. Voilà, 4XL, donc c'est soit 50 ou 52. Bon, je vais vous l'essayer, je vais vous montrer ça. Voilà, pour le petit haut blanc avec le cœur. Donc, vous voyez, il arrive ici, aux hanches. Voilà, comme ça. Fait comme ça au niveau des fesses, c'est bien. Donc, le petit t-shirt qui arrive là, le petit cœur noir. Bon, bah, pour le laver, vous le lavez sur l'envers pour pas que ça s'enlève, pour pas l'abîmer. Mais bon, ça fait quoi une saison, hein. Donc voilà pour ce petit t-shirt cœur. Voilà. Ensuite, je vais vous essayer. J'ai encore un autre pantalon. Alors, je suis dans le fleuri, hein. Je suis dans le. Oups là. Dans le. Hop. Dans le fleuri. Tac. Donc, j'ai pris ça. Donc, c'est ouvert comme ça sur le côté. Il y a une petite ceinture. Voilà. Et c'est pareil, ça doit être. C'est super fluide, quoi. Bon, j'essaye et je vous montre ça comme je peux. Voilà. Pour l'autre pantalon, le pantalon jupe. Alors, voilà. Je sais pas comment vous montrer. Il est. Enfin, vous voyez ma cuisse là du coup. C'est parce que je l'ai remonté. Mais en fin de compte, il est entrouvert. Mais on voit juste un peu le mollet, le genou. Je ne vais pas être gênée de me dire on va voir mes cuisses. On dirait, les gens savent très bien que mes cuisses sont pas super minces, mais il est bien aussi. Il est bien, il est fluide. Hop, j'essaie de. Ouais, je monte sur la chaise. Hein. Voilà. Par contre, il est remonté assez haut. Il y a un élastique, je peux le retourner aussi. Voilà. D'être née toute petite, c'est pas toujours pratique. Voilà pour ce pantalon que je vais garder aussi. Il me reste deux hauts. Je vais vous faire. Je vais vous le montrer. Alors, il y a celui-là, style un peu marin, un peu beaucoup, voilà, avec le petit cœur rouge. Il y avait plusieurs coloris. Donc, je vais vous l'essayer. Voilà pour celui-là. Donc, pareil, hein, aux hanches. Voilà. Il est très joli, c'est pareil, très léger. J'aime beaucoup. Quoi? Attends, je fais pause. Attendez, je reviens. Pardon, on a été coupé par mon mari qui voulait dire quelque chose. Donc voilà. Donc maintenant, il ne reste plus qu'un t-shirt. Oui, un seul. Hop. Alors, toujours dans le. Dans le thème cœur, il y a des cœurs partout. Voilà, gris avec des petits cœurs comme ça. Je vais vous l'essayer pour vous montrer. Ah, tout. Voilà. Pour
ce petit haut à cœur. Alors, c'est pareil, il est super fluide. Il est super, super fluide. Donc, franchement, avec un pantacourt ou n'importe, ça fera super joli. Donc, voilà. Pour ce qui est... Voilà, là, vous voyez peut-être... Voilà, l'ouverture. Hop. Ah non, je suis de l'autre côté. Oui. Attends, c'est quoi? Ah, voilà. Voilà, l'ouverture comme ça. Tac. Tac, ça s'ouvre comme ça. Voilà, c'est... Voilà, tac. C'est assez fluide. C'est un peu, voilà, c'est un peu fendu. Là, vous le voyez. Là. Voilà, c'est un peu fendu. Mais c'est très agréable à porter. Franchement, nickel. Bah, je suis contente de mes achats. Voilà. Sur Chine, voilà, je ne suis pas déçue. C'est vrai que ça fait... Ça fait... ouais, 3-4 fois que je commande. J'avais déjà commandé il y a quelques temps. Franchement, je ne suis pas déçue. Quand on arrive à peu près à jauger ses tailles, c'est nickel. Donc après, niveau finition et tout, franchement, rien à dire. Il n'y a pas de... C'est là, bon, là, part pour les claques que j'aurais dû prendre du coup en 40, bien que je fasse un 38. Mais ouais, mes pieds, ils sortent jusque là, quoi. Donc je pense que ça ira à Colline si elle les veut, sinon je les renverrai. Ou je les mettrai en vente sur mon Vinted. Peu importe. Donc voilà pour ce petit essayage Vinted. Donc j'ai pas de partenariat. Hein. Je suis pas assez. Je ne pense pas que Vinted me connaisse. Donc c'est de mes petits sous-sous que j'ai payé mes petits achats. Donc voilà. Je suis trop contente. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et jeudi mon vlog. Voilà, gros bisous. À bientôt.